Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous jouons à World Series Baseball. Et voilà, avec une musique de débile. Sortie en 1994. Écoutez ça, c'est... Donc, c'est la première fois que j'y joue, d'accord? Déjà en partant... Alors, un match d'exhibition, une ligue, continuer la ligue, donc avec une sauvegarde. Et aussi, tout dépendant, on peut avoir une pratique de frappe. On peut avoir un derby de home run, donc essayer d'en faire le plus possible, ou un match classique. C'est ce que je vais faire. Alors, pour la cause, je vais me prendre les Expos de Montréal, qui existaient encore à l'époque, qui sont déménagés maintenant. Où est ils sont ici. Wow. Ah. Donc ça comme ça. Alors j'ai mes joueurs, j'ai aucune idée en fait comment ça va fonctionner. Par contre, tout ce que je sais comment que tu frappes les trucs, mais pour ce qui est de gérer une équipe, ça m'intéresse peu. Donc pour ce qui est de la ligue, c'est tel que tel. Alors tout se fier au gameplay. Et évidemment un petit peu au visuel quand même. Et on sait de faire des voix digitalisées, c'est pas super. Est-ce que c'est un temps de chargement? C'est quoi? Ok! Donc c'est moi qui lance, ça a l'air. Ok. Est-ce que c'est moi qui est censé frapper là? Frappe! Touc! Et voilà, j'ai joué un peu de gay. Bon, ok, je savais pas que c'était moi qui frappais. Putain, une merde! C'est quoi ce contrôle de merde là? Il arrête pas de faire ça tout le temps! Ah ouais, on s'est fait sortir, manger de la marde. C'est quoi ça? Ah, cette petite cochonnerie là, Gris! Voyons! C'est moi qui lance. Ok, ben lancer ça là. Ah ouais! Flingue! C'est une balle! Va chier, c'est une balle! Je suis dans le carreau! Arbitre de marde! Une splitters! Médium. Une deux. Quoi? C'est pas une balle! C'est un arbitre de retardé mental! Hein? Fuck that! Tu te fous de ma gueule? Tu te fous de ma gueule! Ah, il frappe! Ben oui, home run! Hein? Home run! C'est donc ben de la marbre. Toutes des balles. Avec tous les styles de frappe. Mais si j'y sac en plein milieu. Si j'y sac en plein milieu, par contre, home run. Si c'est le seul lancer que je peux faire en plein milieu comme ça. Ok. Donc c'est peu conventionnel des jeux de baseball classiques qu'on a. On voit vraiment le personnage au complet. Il va frapper. Non, même pas. C'est un mauvais, ça. Retourne chez vous. Donc c'est ça. Ah là ça c'est tannant, on retournera pas tout le temps au pointage chaque fois qu'on change de gars. Donc c'est ça, c'est que d'habitude on voit notre personnage au complet. Là la frappe, je trouve visuellement par contre c'est pas super. Je trouve que le personnage, ben oui effectivement c'est sûr que c'est beaucoup pixelisé, mais il y aurait peut-être eu intérêt à faire quelque chose d'un petit peu mieux que ça, de voir le personnage un petit peu plus. Mon personnage... What the fuck? Mon personnage a la balle, il se met à courir, il plonge en appuyant sur B, au lieu évidemment de la lancer. Faut que j'appuie sur C pour la lancer maintenant. Bon, ben je lance tout ça, c'est fastball dans le milieu. Ouais. Ah, il a failli se faire retirer. Lui, il a quand même couru jusqu'au premier but, en sachant même que c'était un retrait. C'est vraiment, mais vraiment pas génial. Bien, et voilà, c'est fait.
Franchement, là. Baseball Star au Nintendo est meilleur. Ben, moi, qu'on ait des voix digitalisées, puis qu'on ait les vraies équipes, puis que, bon. Ouais, à peu près le genre. Ben, moi, je frappe pareil. Ok. Ouais, on va faire un normal. Baf! Sors! Mais non, il va l'attraper. Eh oui! Home run! Oui! Tout le monde des hot dogs gratis. Paf! Ah! Oh. Fausse balle. Évidemment, en dehors des lignes. On va se faire un coup normal. Oh oui, ça c'est une strike, mais moi quand je la lance, c'est pas bon. C'est une balle. C'est un arbitre vendu. Arbitre vendu de marde. T'as-tu déjà vu un backswing à revoler de même dans ta face? Ça va arriver bientôt. Je vais tellement te le swinguer, là. Ah, oh, que je te la swing, là. Paf! Et il attrape. Bien sûr. Ah, c'est franc. C'est pas ça. Non. Non, ça me. Non, je sais pas. Il... Non. Pourtant, bon, en partant, je suis pas un giga fan de jeux de sport. Il l'attrape, c'est sûr. Hein. Il bouge même pas. Paf! Pas de danger qu'il l'échappe, là! Pas de danger que le soleil tape dans les yeux! Mais non! Non, c'est ça. Le système de lancer, on a largement vu mieux dans d'autres jeux avant. Je trouve que de le placer comme ça, ça veut dire que si on joue à deux joueurs... Hein? Vous vous doutez à peu près qu'est-ce qui va arriver? On joue à deux joueurs, ah, on voit où est-ce qu'il va lancer! Non, sûrement que ça, ça apparaît pas, mais je trouve ça un peu poche parce qu'il aurait pu simplement garder le même type de moteur, on va dire, pour ce qui est du lancer de balle. Dans les autres jeux, on voit pas où est-ce qu'on l'envoie, mais on peut à peu près se gager. Donc, là, ça, c'était pas nécessaire. Le gros carré pour la frappe, bof, c'est pas nécessaire non plus, on aurait pu largement enlever ça. Pour ce qui est du panneau en arrière, c'est même pas les bonnes équipes, fait que déjà en partant, c'est pas vers jeu non plus de ce côté-là. Pour ce qui est des personnages utilisés, ils sont vraiment pas beaux. De base. Et après ça, un coup que je lance ma balle, là, je peux même pas. Je peux même pas décider, un coup que je lance ma balle, de bouger ma balle. Fait que c'est vraiment juste. Tout se passe à peu près tout seul, j'avouerai. Donc, comme ça, on va l'envoyer médium. Il va me frapper ça. Ça, c'est une balle. L'effet de la balle qui arrive, par contre, est quand même très bonne. Ok, ça c'est une balle. Ok, on reprend. Là, ta zone de prise est de quoi à quoi? Est-ce qu'elle est de tes coudes, aller jusqu'à ton nombril, ou elle est genre de ton nombril aller au genou, là? C'est quoi, là? Là, c'est dégueulasse, là. C'est une balle. Ah, ça c'est une balle. Je vais-tu y dire à mon receveur de se tasser pour que tu l'ailles en plein dans les testicules? Ah oui, strike one. Ben oui, c'est ça. Bon, ben je fais deux autres lancers rapides comme ça. S'il frappe, il frappe. Puis s'il frappe pas, bon, on se quitte là-dessus. Tout simplement parce que je suis déjà tanné, ça me tente plus de jouer. Déjà que je suis pas fan de jeux de sport, ça ne donne pas de chance. Mais j'ai joué à des jeux de baseball largement supérieurs sur une console antérieure. Donc, déjà en partant, c'est pas bon signe. Je m'attendais à un peu mieux, il faut que je l'avoue quand même. Parce que, il me semble avoir vu de très bonnes critiques. Peut-être que, d'un côté, ce qui arrive, c'est que le jeu pourrait... Peut-être qu'il est extrêmement complet dans sa saison avec des échanges de personnages... En fait, de joueurs, pas de personnages, parce que c'était à l'époque des joueurs réels. Ouais, il a frappé, évidemment. Mais comme il était à deux prises, je vais quand même être tenté de prendre l'avance. Ben oui, on comprend rien de ce que tu dis. Retardé.
Ok, lance-moi ça là, là. L'arbitre, il se donne un peu. Ça aurait pu être un petit peu mieux que ça quand même. On va y envoyer une slow, là. Évidemment. Bon, ben, il va me remplir les buts, il va me faire un grand chelem, probablement. Ah, putain de lanceur à chier. Ah, lance-moi ça slow, là. Vous avez vu le joueur en arrière? Au moins, on le voit quand même un peu bouger à savoir si ou non. Vous voyez en arrière, là? Il était déjà placé. Bon. Ok. C'est juste... juste pour s'amuser un peu. Ok, on lance ça là. Full blast. Une balle. Ok. Si je m'introduis chez vous, que je te ligote et que je viole ta femme, est-ce que tu vas arrêter de me coller des calices de balles? Hein? Calvaire, ça n'a pas d'allure. Arrête de me coller des balles! Tiens, en plein milieu à slow, pogne-la! Bordel! Tiens, une slider! Ah, oh, come on, choisissez là, mon type de balle! Arrête de faire chier, donne-y là! Pas capable de la garder dans ta main. Une slider! Rapide! Tac! Ah ben! Ok, donc, on reprend. Deux prises, deux retraits, trois balles. Si je fais encore une balle, j'ai les buts remplis. S'il miss, y'a pas de danger. Oh my goodness! What a play! Oh! Le plongeon parce que j'ai pesé sur B. Franchement, wow! Good job! Sans ça, il ramassait pas, là, si je faisais pas de plongeon. Donc, je vais me tenter, c'est ça, de faire au moins un point supplémentaire. Waouh, c'était une balle. J'ai frappé pareil. C'était pour impressionner la gente féminine qui se promène avec ses pompons en arrière de moi. Paf! Oui, ça, il se rendra pas. Mes gars courent pas. Mes gars, c'est débile. Il y a peut-être un bouton pour courir plus vite, d'ailleurs. Mais mes gars courent pas pour 2 cents. Ça vaut pas le coup. Ah, oh, ça m'étonne, je pensais qu'il allait coller une prise. Arbitre vendu de marbre. Paf! Un roulant. Et mes gars courent pas plus vite quand je pitonne pareil, donc... Alors, si jamais je réussis pas à frapper quelque chose qui a de l'allure... Wow, un enfant a rattrapé ce frappé-là. Bon, alors là-dessus, on se quitte. Franchement, World Series Baseball, vous avez des meilleurs jeux. Exemple, Dusty Diamond Softball au Nintendo, Baseball Star 1 et 2, largement supérieur à ce titre-là, à mon avis. Par contre, vous avez les vraies licences dans ce titre-là, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup pour le plaisir de jouer, de tronquer ça pour avoir... En fait, de tronquer le plaisir pour avoir des vraies équipes, pas vraiment. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut tout le monde!